Donc juste avant que la vidéo commence, j'ai juste une petite information à vous préciser, c'est que j'ai créé une adresse mail spécialement pour que vous puissiez m'envoyer vos packs opening ainsi que vos funny moments. Donc envoyez-moi à cette adresse-là, donc leopoldbrawl1@gmail.com. Et si vous avez des grosses vidéos, et bah utilisez WeTransfer, voilà, ça se trouve sur internet. Et si vos vidéos que vous m'envoyez sont bien, vous aurez peut-être la chance de passer dans une de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Léopold, on se retrouve pour un nouveau pack opening sur Brawl Stars. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire un et que je n'en avais pas fait. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'événement Robot à Gogo. Donc j'avais plus d'une centaine de tickets, voilà, c'est 100 tickets que j'utilisais pour des boîtes. Donc que vous pouvez voir que j'ai 62 boîtes normales. Voilà, j'ai deux grosses boîtes et comme c'est la fin de la saison et que j'ai 19 000 points stars, et ben on va pouvoir s'acheter en fin de vidéo la grosse boîte, mais ça on s'en fiche un peu, mais surtout la méga boîte. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le début de ce pack opening. Donc on commence avec les petites box. Et oh, incroyable, incroyable, ce pack opening commence tellement bien. Bah parfait, voilà, je viens de débloquer le deuxième pouvoir star de Brock. Bah super, hein, rien à dire, rien à dire. Si à chaque box je débloque un nouveau truc, ça... Alors bon, après je pense qu'au niveau des points pouvoir, j'ai pas mal débloqué de Dejin, Mortis, Arcade et Elisa, parce que c'est les autres, en fait je suis max en termes de pouvoir star. En tout cas je suis super content pour le pouvoir star de Brock. Voilà, on pourra se le tester dans d'autres vidéos. Donc c'est le... J'avais déjà le pouvoir star 4ème missile, et là je viens de débloquer le feu. Alors on a 3 petits gemmes, ça fait plaisir. Alors je joue assez vite pour pas que ça soit trop ennuyeux. Bon parfait, là ça me refait des gemmes et de l'or. Encore du Mortis, ouais, vraiment le Mortis et Arcade. Enfin, et les jeans, je pense que je vais en avoir pas mal. Hein. 8 gemmes, ça fait vraiment super plaisir là. Voilà, parfait. Encore Arcade, encore 5 gemmes. En gemmes, là je suis gâté. Hein. En gemmes, là je suis gâté. Alors, allez, si on pouvait se débloquer un petit brawler légendaire, ça me ferait vraiment super plaisir. 70 heures là, c'est énorme. Allez, on continue. 13 heures, 4 Arcades, 6 Mortis. Parfait. On enchaîne les box. Donc là, ce que j'aimerais bien avoir, c'est le pouvoir star de Bartaba, du coup, un des deux. Sachant que je les connais même pas, les pouvoirs stars de Bartaba. Mais voilà, si j'ai les pouvoirs stars comme ça, je pourrais les jouer en marathon star, comme ça pourrait être pas mal. 15 mortis, 15 gemmes. 5 gemmes, pardon. Donc ça, c'est vraiment super. Là, on se refait vraiment pas mal de gemmes. Donc ça fait plaisir. 50 pièces, c'est énorme. Elisa et Dejin encore. Après, je vais voir ce que je pourrais faire comme amélioration. Voilà, pour l'instant, on s'ouvre les box une à une. Dans chaque box, j'ai au moins du Mortis, j'ai l'impression. J'ai à chaque fois du Mortis, Elisa, des jeans. Soit Mortis, soit Elisa, soit des jeans dans chaque box. Mais bon, c'est parce que c'est normal, parce que j'ai pas leur pouvoir, leur point de pouvoir. Enfin, c'est brawler là qui m'en manque, en fait. Bon, pour l'instant, au moins, on a très bien commencé le pack opening, donc on pourra pas dire que j'aurais rien eu. Ah, j'aurais quand même un pouvoir star. Et dès la première box, en plus, hein. C'est ça qui est incroyable. Dès la première box, j'ai tout de suite un pouvoir star. Et hop, oh là 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 là. Le deuxième pouvoir star, celui de Bartaba. Bah parfait. Je pourrais enfin le jouer en marathon star. Donc ajoute 140 points de dégâts par seconde à l'attaque de Bartaba. Ok. 140 points de dégâts par seconde. Ah bah c'est pas mal, hein. 140 points de dégâts, c'est pas mal, hein, en plus. Donc parfait, parfait. Il reste une trentaine de box. Donc là, ça veut dire que sur les 60 box, on n'a ouvert que la moitié. Donc voilà, hein, pourquoi pas encore débloquer un Star Power. Ça serait pas mal. D'ailleurs, tiens, ce que je vais faire avant d'ouvrir les box, parce qu'il faut que je le fasse, c'est que je vais améliorer un brawler. Ben, j'ai bien envie d'améliorer Poco pour pouvoir avoir ses pouvoirs stars. Donc c'est parti. Et voilà, je peux avoir ses deux pouvoirs stars. Donc voilà, comme ça, je peux de nouveau avoir 3 pouvoirs stars dans les box. Alors Mortis, des jeans encore. Voilà. Et surtout, bah, ce qui me ferait vraiment plaisir, bah, c'est un nouveau brawler, voilà. Sachant que si je débloque un brawler, c'est forcément un brawler légendaire. Si je débloque un brawler, c'est forcément un brawler légendaire, les gars. Allez, on a encore 26 petites boîtes. Après, on passera aux grosses boîtes. Mais les grosses boîtes, il n'y en a que 3, donc ça va aller assez vite. Et enfin, la plus grosse boîte, la méga boîte. 17 pièces. Encore des gemmes. On vient de passer les 30 gemmes. Ah, en or, là, je me mets bien, là, en or. Parfait. 16 pièces, 4 des jeans, 15 Elisa. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Je pense que là, j'ai énormément de chance. Troisième pouvoir star dans ce pack opening, c'est juste un truc de dingue, c'est un record. Bah parfait.
Parfait, parfait. Quand l'attaque de Poco touche des brawlers alliés, il recouvre 800 points de santé. En plus, je crois que celui-là, c'est le meilleur Star Power. Ouais, je crois que ouais, celui-là, c'est le meilleur. À moins que ce soit l'autre le meilleur, je sais plus. En tout cas, troisième Star Power, il reste encore 20 box. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Bon, maintenant, ce qui reste à débloquer, c'est un nouveau brawler. Je peux encore débloquer deux Star Power. Donc le deuxième de Bartaba et le deuxième de Poco. Mais voilà, bien sûr, le brawler légendaire m'intéresse le plus. Voilà, j'aimerais bien avoir en premier, j'aimerais bien avoir Léon, ensuite Korbach et en dernier Emery, dans l'ordre. Voilà. Ouh, là, il y avait pas mal de trucs là. Il y avait 25 points. Il ne reste que 10 petites boxes. Voilà, on espère choper de la légendaire. Oh, 70 heures, là, il est vraiment pas mal. Deux tickets. Et il reste une dizaine de boxes. Encore Arcade, encore Elisa. Pour moi, c'est bien. Comme ça, j'ai gagné pas mal de points pour Elisa, Dedijin et Mortis. Bon, on va arriver vers la fin. Trois tickets. Donc là, j'avais 4 tickets, je me retrouve à 25 tickets. Et j'avais 4 gemmes, je me retrouve à 34 gemmes. Donc c'est assez énorme quand même. Allez, on ouvre les petites dernières boxes, normales. Et après, on passe aux plus grosses, tout simplement. Parfait. Allez, les deux dernières boxes. Allez, est-ce que je peux débloquer un brawler légendaire directement dans cette box-là? On va voir tout de suite. Non. Donc, des points de... Allez, on va passer aux deux grosses boîtes. Deux grosses boîtes. Bon, là, il n'y a que deux objets. Donc, le brawler légendaire, c'est mort. Ou même le pouvoir star. Je crois qu'il faut avoir 4 objets hein, dans les grosses boîtes. 3 objets, donc là je pense que c'est aussi mort. 13 Elisa, du Dejin, et je pense que je vais avoir du Mortis. Ouais, du Mortis. Et enfin, on va se faire les deux dernières boîtes. Donc la grosse boîte qu'on achète avec les points stars, c'est parti. 500 points stars. Allez, 4 objets s'il vous plaît. Non, 2. Malheureusement, donc. Espérons que la méga boîte nous offre quelque chose. Allez, c'est parti, la méga boîte. Est-ce qu'on va se débloquer quelque chose? Pour qu'on se débloque quelque chose, il faut qu'il y ait 6 objets. Est-ce qu'on va avoir les 6 objets? Je n'en sais rien. Allez, j'appuie. 6 objets, s'il vous plaît, Supercell. Oh là 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 là, 3 objets. Bon, là, je pense que c'est clairement mort. Ouais, non, là, c'est... Non. Je pense que j'aurais pas... Non. Bon, c'est pas grave. Oh là là, 100 points de mortis, c'est énorme. Un ticket quand même. Bon, j'aurais eu quand même 3 pouvoirs stars, c'est quand même assez énorme. Je vous montre. On aurait eu celui de Bartaba, de Poco et le deuxième de Brock. Donc c'est assez énorme quand même. 3 pouvoirs stars, je suis quand même assez content. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos pack opening. Voilà. Et le petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.